Bonjour. Alors, j'ai remarqué que la vidéo sur le slime sans colle a fait beaucoup de vues, a généré pas mal de commentaires. Alors aujourd'hui avec mon fils, on va essayer de réaliser du vrai slime très rapidement. C'est parti. Au niveau des ingrédients, il vous faut de la mousse à raser, de la lessive. Donc là, moi, c'est un fond de lessive Carrefour qu'il me reste. Vraiment, il reste un tout petit peu, donc on pourra faire qu'un seul slime. De la colle Giotto ou de la colle Cléopatra que vous trouvez chez Cultura. Et du dacryloserum en pharmacie. On va essayer. Ah, tu pourras remettre le chrono. On va essayer de faire de se chronométrer. On n'a jamais fait. Et on va pas mettre de colorant. On verra si après on en rajoute ou pas. Mais pour l'instant non, parce que la lessive est déjà bleue. Et après la petite boîte. Alors là, c'est du vrai slime. On va voir combien de temps ça prend pour le faire. Alors, c'est parti. J'ai fait des bulles. Donc là, il met la colle. Au niveau des quantités, franchement, je le laisse faire puisque moi, je ne maîtrise pas du tout ce slime-là. Ah, j'ai un problème de mousse à raser. Non. Voilà. Faut pas le pencher en fait. Voilà. La lessive. Alors là, il en reste très très peu. Alors je sais qu'avec certaines lessives ça marche et avec d'autres ça ne fonctionne pas. Sincèrement, je ne connais pas les marques des lessives qui fonctionnent. Moi, c'était vraiment un fond qui me restait d'une vieille lessive. Puisque maintenant je fabrique ma lessive. Alors là, il mélange. En fait, ça fait comme une réaction, hein. Voilà. Et ensuite, tu rajoutes, c'est ça le dacrylo. Tu veux que je t'aide? Non, tu fais toi-même. Ok. Alors, bah, il fait à vue d'œil. Je pourrais même pas vous mettre les quantités en barre d'infos, hein, puisqu'apparemment, c'est au pif. Hein. Il en faut encore, non? De la colle, je pense, non? Ah bon? Non, Bah, si, la colle. Voilà. Donc là, on est à 1 minute 29, on va voir si ça prend forme. Normalement, il faut rajouter un peu plus de colle, je pense. Voilà. Voilà. Donc là, apparemment, il faut bien mélanger. C'est ça le plus long dans le slime. Ah, tu fais avec tes mains? Tu veux du dacrylosérum? Ah, tu prends déjà? Oh là là. Voilà, donc moi, j'avais pas fait du vrai slime. Alors, ça, voilà, ça prend un petit peu moins bien qu'il me dit la dernière fois, puisque je n'ai plus du tout, mais alors du tout de lessive, vous voyez, c'est vide, vide, vide. Il fallait en mettre un petit peu plus, mais ça a commencé à faire cette boule. Donc là, apparemment, il enlève l'air, si je comprends bien ce qui se passe. Alors, ça filme pas très bien mon téléphone, là, ça fait un peu flou. Voilà. Alors, c'est ça? Est-ce que tu penses qu'il est fini là pour toi? J'enlève ça pour que tu l'écrases un petit peu. Voilà. Oula! Ah oui! Oh. Donc on peut être violent avec son slime apparemment. Ça ne craint rien. Alors voilà, on peut arrêter, je pense. Donc tu as fait ton slime, on va dire, en 3 minutes Oui. environ. Si vous avez plus de lessive, c'est mieux, semblerait-il. Et celui-ci, contrairement à celui avec la maïzena, se conserve plus longtemps et il ne va pas sécher. En effet, la maïzena, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi ça séchait, c'est normal puisque c'est comme de la, bah, c'est de la farine de maïs. Ah, il fait du bruit maintenant. Écoutons. D'accord. Et là, on n'a pas mis de colorant. Après, on peut rajouter un colorant pour faire la couleur que l'on souhaite. C'est tout bon? Donc, pour toi, il est fini? Non, il manque un peu de lessive. Il manque de la lessive. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo. Mets-le là, on ne le voit pas. Oh là là, moi aussi j'ai les mains sales. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voici notre slime du jour. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Ah, pour terminer, je vous montre, on va le conserver dans sa petite boîte. Voilà, il va prendre la petite forme. Et comme ça, il peut être transporté. Il faut bien fermer, par contre, en mettant le couvercle pour chasser l'air, pour pas qu'il sèche non plus. Bonne journée!